Bienvenue sur Leadership, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadership. Cette semaine, nous allons faire quelque chose de particulier. Nous allons seulement parler d'écriture en chute libre, mais nous allons peut-être même pratiquer ensemble à la fin de cet épisode. Donc, stay tuned. Alors, de quoi s'agit-il D'une méthode qui en anglais s'appelle le free fall writing. Donc l'écriture en chute libre, enfin c'est une traduction, c'est ma traduction, elle n'est pas forcément bonne mais j'en trouve pas d'autre, euh, qui est une méthode d'une Madame Barbara Turner-Vesselago, euh, qui consiste en fait à écrire avec le courage qui correspond, qu'il faudrait pour sauter en chute libre sans parachute. Une espèce de d'abandon euh, de soi-même à l'écriture. Donc à la base, une technique d'écriture pour débloquer euh, les écrivains, les poètes, etc. Et pour nous, plutôt, une technique soit de développement personnel, soit une technique de travail en groupe. Nous le verrons euh, tout à l'heure. Il s'agit donc d'écrire. Donc je vais vous donner la démarche, les règles à suivre, les unes après les autres, euh, pour que vous puissiez le faire pour vous. Mais avant cela, peut-être, pourquoi est-ce que vous pourriez être amené à faire de l'écriture en chute libre, donc en développement personnel principalement, euh, pour peut-être euh, débloquer quelque chose, pour faire office de, de catharsis, pour euh, faire passer quelque chose de difficile, comme finalement une pratique de purge, euh, comme on le faisait autrefois, avec la fameuse technique de la, de la soupe au chou, trois semaines que de la soupe au chou, eh bien ici c'est à la fin de chaque jour ou à la fin de chaque semaine, prendre son, son cahier et faire un petit peu de free-fall riding. Alors quelles sont ces règles à suivre Alors première chose, se trouver un joli moleskin. Vous savez, un de ces, un de ces euh, carnets de notes, euh, qui a une couverture en général qui est assez jolie, euh, euh, mou en général, hein, euh, dans laquelle il y a de jolies pages sur lesquelles on peut écrire. Donc se trouver un joli carnet, pourquoi Parce que ça doit faire plaisir d'y venir tous les soirs ou toutes les semaines, ça doit valoir la peine. Donc ça se trouve en librairie euh, un peu partout. Se trouver un endroit calme. Important, puisque nous allons devoir être, être seuls avec nous-mêmes, donc un endroit calme. Mettez un timer. Alors commencez avec 5 minutes, c'est déjà pas mal, et puis peut-être une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez pousser à 10, voire à 15. Euh, et une fois que vous avez votre timer, vous êtes en place, vous êtes au calme, vous comptez de 10 à 0, vous démarrez le timer, et vous commencez à écrire. Donc euh, le timer de 10 à 0, c'est juste pour se, se préparer à écrire. Une fois que j'ai commencé à écrire, et ça, c'est le, le cœur de la méthode en fait, c'est vous. Une fois que vous avez. Une fois que la pointe du stylo touche le papier, elle ne le quitte plus jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, vous mettez les points et sauter pour les lettres, mais il n'y a pas de correction, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas d'arrêt. Vous écrivez absolument tout ce qui vient, y compris ce truc est stupide, pourquoi est-ce que je le fais Hein, blablabla, bliblibli, blablabla. Bla, ah oui, maintenant ça vient. Je commence à écrire et je continue à penser et j'y vais. Donc c'est vraiment de l'écriture complètement libre. Ça, ça ressemble en fait à, à ce que les, le mouvement euh, le mouvement dada au début du XXe siècle appelait. Euh, c'est bien, je viens de l'oublier. Je, je voulais vous le prendre un exemple. Je viens d'oublier. André Breton, l'écriture automatique. Voilà, ça me revient. Euh, cette espèce d'idée de... de c'est comme la peinture automatique. On peut aussi peindre comme ça ce qui nous vient. et eh bien, c'est pareil avec l'écriture. Donc, vous, vous, vous posez le stylo et vous ne le relevez que quand c'est terminé. Vous écrivez absolument tout ce qui vient. Une fois que le timer sonne, vous posez le stylo, vous éteignez le timer et vous fermez le Moleskine. Vous ne lisez pas ce que vous avez écrit. Alors, il y a quelques obstacles. Je vous dis puisque j'ai fait l'exercice hein, quelques temps, euh, et il y a des obstacles. Le premier obstacle, c'est le correcteur intérieur. C'est euh, pour le perfectionniste, la personne qui va aller corriger la faute d'autographe, ou la lettre mal faite, ou ah tiens, peut-être que je ne vais pas réussir à me relire. Non, c'est je continue à avancer. Le deuxième obstacle, c'est le censeur intérieur. Ça veut dire que vous allez voir que vous, à un moment donné, vous allez vous arrêter d'écrire et continuer à penser. Ça, c'est niette C'est Tant que je suis en train de penser, je continue à écrire. Et comme il est impossible de ne pas penser, sauf en méditation, mais comme on n'est justement pas en méditation, eh bien, il y a des pensées qui vont venir. Et donc, vous les écrivez, peu importe si elles font du sens ou pas. Puis le dernier obstacle, eh bien, c'est la peur. La peur de paraître X, ou la peur de paraître Y, ou la peur d'être ridicule, ou la peur d'écrire des bêtises, ou la peur d'écrire mal, ou la peur de ne pas être pertinent. Ben, c'est pour ça qu'on appelle ça « free-for-riding ». Vous êtes à la porte de votre avion, vous n'avez pas de parachute, vous êtes à 3000 mètres d'altitude, et puis, pardon, 3000 à 10 000 mètres d'altitude, et vous allez sauter. Donc vous y allez, vous vous faites confiance. De toute façon, qui va lire ça Personne. À part vous. Alors, on a évoqué l'utilisation personnelle, hein, pour vider une période difficile comme catharsis, mais aussi on peut le faire comme début de conversation, un exercice d'échange en petit groupe. Vous êtes en... En réunion d'équipe, ou vous êtes en séminaire, euh, eh bien, vous pouvez demander aux gens de, de prendre le. Euh, alors, évidemment, si vous le faites en formation ou ailleurs, vous n'avez pas, pas besoin de donner un Moleskine à tout le monde, mais vous pouvez le faire. Euh, ça peut être une idée euh, de commencer, par exemple, un exercice de groupe en réflexion sur un sujet par une petite période de Feel for writing. Alors, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est quel type de questions à poser. Bien, selon moi, n'importe quelle question, tant qu'elle comporte une dimension émotionnelle. Donc, euh, mauvaise question de Free Fall Writing, euh, comment est-ce que je décris euh, le clavier qui est en face de moi euh, Alors, pour quelqu'un très expérimenté, ça marcherait peut-être, mais comme nous, on ne l'est pas, on va prendre des questions à dimension émotionnelle. Puisque l'émotion est une porte à nos automatismes. Et qu'en fait, cette méthode va nous aider à identifier certains automatismes, certains mécanismes de pensée. Alors, une fois que nous avons écrit, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on ne va pas laisser ça dans notre Moleskine toujours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reprendre à intervalles réguliers. Alors, par exemple, si vous faites du, euh, du skin, là, de, du Free Fall Writing une fois par jour, en fin de journée ou en début de journée, eh bien, vous allez reprendre votre Moleskine une fois par semaine. Si vous faites de, des entrées une fois par semaine, vous allez reprendre votre mots une fois par mois. Et puis vous allez lire à haute voix quelques entrées du journal, celles qui correspondent à la période écoulée, par exemple. Et puis vous allez y réfléchir. Vous allez vous laisser surprendre par ce qui est écrit. Alors euh, avant ça, évidemment, hein, vous faites toute la préparation nécessaire. Vous prenez une bonne boisson, alors pas forcément alcoolisée, mais en tout cas peut-être une boisson chaude, une boisson que vous aimez, dans un endroit bien confortable. Vous n'avez vous besoin pas besoin d'écrire, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, vous avez besoin de votre cahier et de vous. Vous pouvez même peut-être le faire en baladant dans la nature. J'ai jamais essayé, mais ça peut être une, 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 une bonne idée. Alors attention au trou, hein, mais euh, ça peut être une très très bonne idée. Ou assis sur un banc, euh, surtout maintenant que on est en automne, hein, à la période où j'enregistre je, où cet épisode, euh, où vous avez peut-être euh, de, des, des forêts qui sont multicolores avec de jolies feuilles, donc ça peut valoir la peine de se, de se donner un peu de temps pour faire ça dans ce cadre là. Pour illustrer, je vais prendre euh, deux courts exemples personnels. Euh, en fait, c'est ça qui m'a fait penser à cet épisode. Parce que j'ai retrouvé mon Moleskine. <laughs> vous voyez, je ne l'avais pas vu depuis un certain temps. Alors mien, vous voyez, euh, alors je flexe un peu, hein, c'est un Louis Vuitton. Euh, c'est un cadeau d'une amie. Donc, euh, <laughs> je ne m'achète pas des Moleskine Louis Vuitton, mais il est vraiment très, très beau. Euh, il a une belle couverture et, et les pages, le, le bord des pages est, est légèrement euh, argenté, ce qui est tout à fait euh, magnifique. Donc, euh, j'ai retrouvé mon Moleskine et je vais vous en lire un ou deux extraits et puis euh, vo voir ce que ça donne en fait. Quels sont les le types de texte et on fera une petite analyse aussi, puisque finalement, je fais l'exercice hein, euh, euh, avec vous. Donc voilà, c'est une... Euh, alors, la première entrée, je l'ai écrite le 1er décembre... 2019, donc ça fait bientôt deux ans. J'étais en... Je terminais ma, ma formation en développement organisationnel. Donc c'est écrit en anglais puisque j'ai fait la formation à Londres, donc je, je traduis euh, librement euh, à la volée. Donc la question que je me posais, la question que j'ai en titre, c'est qu'est-ce qui m'a dérangé cette dernière semaine What has bothered me this past week Voici mon entrée du 1er décembre 2019. Mon inhabilité... À être debout pour moi-même, à être fort. Toujours en train de demander l'approbation des autres est fatigant. Et faible. Quel faible art. Toujours en train de demander. Le pouvoir, c'est faire. Le pouvoir, c'est vouloir. Ah Qu'est-ce que je veux Aider. Les autres ont-ils besoin de mon aide Pas si sûr. Projeter mes besoins sur les autres. Intéressant. Quoi d'autre Je me sens si faible. Me sentir si faible m'a mis en colère. Vraiment. Je me suis senti mal de l'intérieur. Estomac. Cerveau. Mort. Toujours. Assez. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être aussi confiant que les autres Le sont-ils Certains Ou font semblant Envie Jalousie Qu'est-ce que je peux faire Être moi. Affirmer ce que je sens, ce que je sais. Projeter de la force et de la confiance. Jamais douter, en tout cas jamais en public. Ou en tout cas, ne jamais douter mon noyau. Voilà, donc c'était un exercice de 5 minutes. Vous voyez que... Enfin non, vous ne le voyez pas, ça fait à peu près une... Deux tiers de page à 5. Ce n'est pas très très long. Euh, C'est un exercice qui était difficile pour moi, hein, parce que je, je suis assis dans le contrôle, comme vous, vous le savez. Donc... Euh, Qu'est-ce que je peux retenir, moi, en relisant cet exemple Cette frustration absolue euh, d'apparaître faible. Et en fait, je ne réponds pas à la question, hein, euh, quelle est cette faiblesse Et, 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 et c'était dans cette formation, qui a été une formation très difficile pour moi, c'était le fait que je ne me sentais pas toujours à ma place, parce que ce que je disais n'était pas forcément apprécié ou pris en compte. Et donc, ça me frustrait de manière euh, de manière très très importante. Et donc, on voit que c'est lié à ces idées de, de confiance en soi. Et vous voyez que la conclusion que j'en tire finalement, je ne peux pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, mais euh, dire projeter de la projeter de la force et ne jamais douter. Et ne jamais douter, c'est la mort de la, de la réflexion, c'est la mort de la curiosité, c'est la mort de l'apprentissage. Donc évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais ce qui, ce qui est du coup intéressant, c'est que je vois que quand je peux être frustré comme ça, j'aurais tendance à me fermer, j'aurais tendance à vouloir affirmer ma force et mon savoir, alors que je devrais plutôt partir en curiosité, en questionnement. Donc, vous voyez, écrire ça comme ça m'a permis, euh, presque deux ans plus tard, euh, de faire une petite analyse sur ce ressort que j'ai quand je suis remis en cause, de me redire et d'essayer de, de projeter de la confiance et de projeter du savoir. Donc, plutôt intéressant. Et puis, j'avais euh, une autre entrée. Alors, euh, <laughs> qui est... Vous pardonnerez le langage, mais la question, c'est qu'est-ce qui m'a frustré Donc, j'étais relativement frustré. Ça, c'est le 26 janvier 2020. Donc, c'est euh, juste avant euh, le Covid. Et donc euh, voilà, je réponds à la question qu'est-ce qui m'a frustré ces dernières semaines Perdre autant de putain de temps sur mon site internet, putain de Nil Patel et ses promesses vides. Pourquoi est-ce que je, je hein, why do I fall for this shit Pourquoi est-ce que je cède euh, à ces conneries Et le pire. C'est que je l'ai fait à la place de ma stratégie marketing que j'avais décidé de faire. Promesse de quoi Promesse de trafic, de plus de gens. Et alors Plus de techniques, plus de problèmes techniques Plus de, j'ai mis entre guillemets, revenus Mon putain tunnel de vente ne fonctionne même pas, du tout. Quelle perte de temps, putain si, si au moins, juste pour expérience, expérimenter, pour vivre quelqu'un que tu ne connais pas, qui achète quelqu'un de toi. Juste pour voir comment ça fait. Quoi d'autre Il faut que j'en ressource tout ce machin, le site, la technique, etc. Je ne peux pas perdre autant de temps que ça. Mais où est-ce que je pourrais trouver quelqu'un avec ses skills, avec ses compétences, surtout à quelqu'un que je puisse faire confiance j'ai besoin de me focaliser sur ce, que, sur, ce que, sur ce qui drive le business, pas sur ce qui me fait plaisir. Voilà, c'est la fin de l'entrée. Donc désolé pour le vocabulaire, mais j'ai plus ou moins traduit. Hein. Il y avait beaucoup de fucking dans, le, dans, dans ce texte. Euh, voilà, à, à, à posteriori, qu'est-ce que j'en retire J'en retire que je suis fâché avec moi-même parce que je me laisse avoir par des promesses. Neil Patel, en parenthèse, c'est quelqu'un qui vend du, du SEO, du Search Engine Optimization. Euh, et euh, évidemment, je suis tombé dans un truc et voilà. Et je pense que je vais m'occuper du site plutôt que de faire ma, ma stratégie marketing, comme, comme, comme je le dis là. Euh, donc j'étais très très en colère avec moi parce que je me laissais euh, capter par les sirènes de plus de gens. Et une, une petite petit morceau de phrase qui m'a intéressé ici, euh, c'est ce petit bout où euh, quelqu'un qui t'achète, quelqu'un que tu ne connais pas qui t'achète quelque chose. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui t'achète quelque chose. C'est comme si je cherchais la validation de ce que je faisais au moyen de quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas. Parce qu'en fait, je pense que je dois me dire, les gens qui me connaissent, c'est pas vraiment qu'ils trouvent bien ce que je fais. Ça doit être parce que, euh, vous savez, c'est le syndrome de l'imposteur. En fait, les gens qui me connaissent, et ils m'aiment bien, donc en fait, ils n'osent pas me dire que c'est nul ce que je fais. Donc du coup, ils, ils achètent, ils sont là. Alors, En le disant, je, je suis parfaitement conscient que c'est débile ce que je raconte. Mais je pense que c'est pour ça que j'étais frustré, en fait. Parce que je me suis bien rendu compte que de faire ce SEO à plein tube, ça n'allait pas franchement apporter grand-chose. Et puis que j'aurais mieux fait de me concentrer sur ma stratégie marketing. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que depuis, j'ai fait l'outsourcing. J'ai trouvé une boîte très bien, qui s'appelle Optimum Circle, euh, Henrique-Pierre de Delabrière, euh, qui est à, à Reims en tout cas dans l'ouest dans de la France, euh, et qui mettent beaucoup sur mon site et qui s'en occupent. Et donc vous voyez, finalement, ce qui est intéressant dans ce deuxième exemple, c'est que ça a amené à de l'action. C'est que je l'ai écrit. Hein, I need to outsource the whole damn thing. Je, je dois vraiment me débarrasser de ce machin. Euh, et je crois que le, le fait de l'écrire, alors j'ai commencé en avril avec lui, hein, euh, mais, euh, ou même plus tard, mais c'était vraiment cette idée-là. C'était cette idée, je dois absolument faire quelque chose pour... Euh, pour pas me laisser prendre finalement par, euh, par cette, euh, ce site internet. D'ailleurs, j'y passe, passe beaucoup moins de temps depuis. Voilà deux exemples euh, personnels d'utilisation du, du free-for-riding. Pardon. Alors, euh, je vous cache pas que c'est difficile à relire, hein, mais voilà. C'est l'exercice le, qui veut ça. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que euh, vous mettiez l'épisode sur pause et puis qu'on le fasse ensemble. Alors, on peut pas, je peux pas le faire parce que j'ai pas envie de mettre 10 minutes de, de vide, mais euh, qu'on le fasse ensemble. D'accord Alors, vous, vous mettez sur pause, vous allez chercher de quoi écrire, papier, crayon, euh, et puis euh, on va, on, on va s'y mettre ensemble. Voilà, donc vous avez, vous avez votre, votre, votre papier, votre crayon, vous allez allumer le crayon, comme dirait l'autre, vous allez mettre un timer, 5 minutes, et puis quand je dis départ, eh bien, vous allez écrire sans relâche, sans vous arrêter pendant 5 minutes. Donc, la question que je vous pose, c'est une chose qui m'a frustré aujourd'hui. Une chose qui m'a frustré aujourd'hui. Alors, attention, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti 5 minutes. Vous pouvez poser, mettre l'épisode sur pause et le reprendre quand vous avez terminé d'écrire. Voilà, nous sommes 5 minutes dans le futur. Vous avez arrêté d'écrire puisque votre timer a, a sonné. Vous allez fermer votre, éteindre votre stylo, fermer votre cahier et puis revenir quand ça vous plaira, quand vous aurez envie de redécouvrir ce que vous avez écrit. Voilà. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Vous pouvez me le dire en le postant sur postant vos avis, sur LinkedIn, sur mon site internet. Envoyez un petit mail, un petit message, ça me fera plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao